Bonjour Marie Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Parlons encore une fois d'un des effets de la guerre en Ukraine avec vous ce matin, et je suis sûr que vous allez écouter Marie avec attention parce qu'on a tous constaté ce petit climat anxiogène qui nous gagne, risque d'attaque nucléaire, d'accident nucléaire. Il y a un marché qui est en train de naître en France, celui des abris anti-atomiques. Les Français veulent acheter des bunkers. Et attention, je ne parle pas simplement des gens qui sont très parano ou alors qui feraient partie de cette mouvance survivaliste. Non, non, des Français comme tout le monde qui commencent à s'intéresser à ce marché qui n'existe quasiment pas en France. Il faut savoir que la France aujourd'hui, elle compte 1000 abris anti-atomiques, 400 abris privés et 600 militaires. Autrement dit, notre taux de Rien. protection, c'est rien du tout. Notre taux de protection est proche de 0%. Et pourtant, on est le deuxième pays qui compte le plus de réacteurs nucléaires derrière les États-Unis. Donc c'est assez paradoxal, d'autant qu'on a des voisins comme la Suisse qui sont très équipés. À une époque en Suisse, il fallait construire un abri par logement construit. On est sur un taux de protection en Suisse supérieur à 100%. Donc là, les Français commencent à se dire, on ferait bien de faire comme en Suisse, mais comment on s'équipe si je veux un bunker dans mon jardin, par Alors, je exemple? vais vous parler de deux entreprises qui en proposent. La première que j'ai contactée s'appelle Artemis Protection. C'est une jeune entreprise créée il y a à peu près un an et demi. Et son modèle est assez particulier puisqu'il s'agit de sortes de modules en structure métallique, à l'image des conteneurs que vous voyez sur des bateaux. Là, on va mettre ces conteneurs, ces modules sous terre. Le modèle de base fait 6,7 mètres carrés, Mathieu. C'est relativement petit Allez, trois. et extrêmement cher. 149 000 euros pour ce module sans option. Alors, il y a quand même l'étude préalable des sols, l'installation, un système de filtration d'air, une sortie d'urgence, mais pas d'aménagement. Pour ça, il Faut faudra avoir les moyens quand dépenser, même, hein. faut avoir les moyens. Et surtout, si vous voulez davantage, il faudra dépenser quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros Pour supplémentaires. 6 mètres carrés. Voilà, exactement. Alors, vous avez une autre entreprise qui s'appelle Amesis. Alors là, pour le coup, on parle d'un groupe de BTP généraliste qui ne fait pas que ça, mais qui a une grande expérience en la matière. 10 ans qu'elle a été créée, cette entreprise, et elle fournit notamment des abris anti-atomiques à la Direction générale de l'armement, à Engie ou encore à Airbus. Là, on est sur des modèles en béton armé, très classiques. Pareil, encore une fois, sous terre. Le modèle de base, 14 mètres carrés à partir de 79 000 euros. Vous aurez là aussi système d'aération, mais aussi lit superposé, toilette à sec, béton brut, pas d'aménagement, mais vous pouvez tout faire, agrandir, aménager comme vous le souhaitez en fonction de vos moyens. Un tout petit peu plus de confort. Bon, on parle de quelques dizaines de commandes depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ça reste un micro-marché chez nous. Oui, mais ça s'inscrit, Mathieu, en fait, dans un contexte bien particulier. Cette tendance, elle témoigne de cette volonté d'éloignement des grandes villes, s'éloigner pour se mettre à l'abri. Écoutez le témoignage de Guillaume Martineau, c'est le patron du réseau Orpi. Là, avec 2 ans de Covid enchaînés sur ce qui se passe en Ukraine, nos concitoyens vont encore avoir besoin de partir un peu des grandes villes en espérant trouver un peu de quiétude, même si on sait qu'on ne pourra pas nous refaire deux fois le coup de Tchernobyl avec les, en cas de problème, ça s'arrête aux frontières. Donc ce qui est sûr, c'est que ce mouvement qu'il y avait de partir des grandes villes pour aller trouver un peu de calme va, je pense, continuer, peut-être s'amplifier. On n'a pas ce marché des bunkers chez Orpi, on ne l'a pas encore, ça je dois être tout à fait honnête, on ne nous a pas demandé de bunkers et on n'en vend pas encore, contrairement à nos voisins suisses. Mais la situation va faire que, effectivement, les gens vont continuer à se déplacer et partir des grandes villes pour trouver du calme. Et si vous voulez un jour qu'Orpi vende des bunkers, on vous le dira évidemment, priorité sur RMC.